Et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le maxi retour de course. Vous l'avez attendu, vous me l'avez demandé. Je crois que mon frigo était en train de dire t'attends quoi là? Oh, va faire les courses. Je suis vide. J'avais plus de pâtes, j'avais plus rien. Enfin, bref, le vide absolu. Mais avant tout ça, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Première chose, attention les yeux. J'ai une ring light. Vous savez l'anneau là qui fait la lumière. Non, enfin, on est d'accord que là c'était pas possible. Ah, je suis trop fière de moi. Non, j'ai mon cadeau de Noël. C'est Papa Noël, il m'a amené en avance. Donc bref, donc j'ai une ring light, donc c'est trop cool. Donc je vais pouvoir filmer un peu avec ce temps pour rêve, mais ce temps d'hiver, on est d'accord. Et là, cette fois-ci, je ne vous dirai plus, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Je ne vous dirai plus d'aller sur mon site, car mon site, enfin plutôt ma boutique, eh bien, je l'ai fermé, voilà. La fille, elle commence comme ça, vous êtes dans la crotte, hein. Mais pauvre chérie, je l'ai fermé, en fait. Il y a eu un petit problème, tout ce qui est informatique et tout, donc j'ai dû la fermer. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est le carnet ou alors tout ce qui est le blog, c'est bon, ça va être ouvert. Normalement, ce sera sur le même nom, donc www.pandafrite.fr. Et dans tous les cas, vous pouvez largement me retrouver sur Facebook et Instagram. Je vais largement deux fois, trois fois, tu le dis encore? Je vais beaucoup plus me mettre sur Facebook parce que je sais que sur Instagram, en fait, je suis tous les jours. Je poste pas tous les jours, mais en ce moment, je vous raconte un peu ma vie. Voilà. Donc, faut que j'arrête de faire des gros plans parce qu'avec la ring light, on voit absolument toute ma tronche. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Faut qu'on parle aussi de ces cheveux. J'ai les cheveux là. Hein, d'accord, j'ai envie de tout couper. Donc peut-être prochaine vidéo, vous allez me voir avec un carré. Voilà, votre avis en commentaire, il n'y a pas de problème, je prends parce que... J'ai tendance à dire des cheveux, ça pousse vite. Donc, enfin, moi les cheveux, ils repoussent vite. Donc j'ai tendance à, pourquoi pas faire des conneries. Voilà, bon. Trêve de plaisanterie, trêve de blabla. Là, vous venez que pour les courses, hein, je le sais. Ou alors, vous êtes trop mignon et vous me dites... Tu nous manques, tu reviens quand? Mais mes chéris, je suis là. C'est juste que bah là, j'avais la maison à m'organiser parce que bah du coup, là, j'ai pu enfin faire la déco de Noël et tout. Sauf que dernièrement, on était dans les travaux, on est dans l'aménagement et puis se sentir dans une nouvelle maison, les nouvelles routines, les nouveaux... Vous voyez bien. C'est pareil. Pff, en fait, je commence la vidéo comme ça, mais je me dépêche, je parle vite. Vous avez compris. Le home tour, donc le retour de la maison. Le tour de ma maison, la présentation totale de ma maison, voilà, ce sera pas comme juste ma chambre ou mon bureau, je l'ai filmé. Alors je l'ai filmé juste avant de mettre les décos. Là j'ai mis les décos il y a quelques jours, hein. Là je vous le dis, on est presque mi-décembre, je sais même pas quelle journée, je suis complètement perdue. On n'est même pas le 10 décembre, qu'est-ce que tu dis? Bref, je l'ai filmé. Avant les décos, et vous savez quoi, il arrive là. Là, c'est bon. Là, pendant un moment, je me suis dit, je poste plus, je sais pas quoi faire, je machin, d'autres projets. Et boum, allez, t'as des idées bizarres, et puis voilà. Bah, me revoilà, avec un retour de course. Et une ring light. C'est trop bien, je suis trop contente. Bref. Le home tour, allez, je vais jamais réussir à le dire. Le home tour va arriver dans la foulée après cette vidéo. Bon, on commence les courses, parce que franchement, c'est le principal. Et puis, bah, c'est ma vie. Donc, on va commencer par le frais. J'ai tout mis là. Comme ça, je fais tout d'une traite. Je viens de rentrer des courses. Là, il fait noir à peu près. Ouais, de toute façon, il fait pas beau. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse beau? J'ai mis mon pull mouc. Alors, donc, on a quoi? En fromage. Ouais. En fromage, je me suis pris un coulommier. Il est large, puis... Il pue, donc il sera bon. J'ai tellement envie de cuisiner, mais de me refaire un meal prep énorme là, je vous dis pas. Bah si, je vous le dis, je viens de vous le dire. Est-ce que vous avez vu comment on voit bien? Je suis trop fière, franchement, je suis trop contente. Merci Papa Noël, chérie d'amour. Bref, de maroilles. Enfin, c'est pas de vrai maroilles, mais pour faire des crêpes. Des crêpes, j'ai trop envie de crêpes. Enfin, j'ai envie de fromage. Qui suis-je? J'ai pris des hamburgers, enfin des fromages à hamburgers. Et deux... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'ai pas précisé, j'ai été à Leclerc. Voilà. En même temps, il y a un peu que ça actuellement près de chez moi.
Mais non, j'ai essayé un tel et c'est un peu plus cher. Ensuite, du fromage Alfinzer, enfin c'est pas la marque, mais vous avez compris, donc du fromage machin, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas parce que je ne suis pas présente que je mange pas la même chose, hein. Je bouffe toujours pareil. Du beurre, parce que qui dit beurre dit plus farine et plus je ne sais plus quoi. Je vais faire des biscuits de Noël. Ouais. Je vais faire mes biscuits de Noël. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, le blog que je vous parle tout à l'heure. En fait, ça va être un blog, ça va pas être un truc de vente. Bref, je vous en parlerai un peu plus de ça une autre fois. On s'en fout. Le blog, je vais mettre des recettes, je vais mettre des articles. Et ça, c'est de base, c'est juste pour écrire et communiquer avec vous. Voilà, c'est histoire de raconter ma vie encore un petit peu. Ensuite, attendez, parce que c'est complètement le bordel. Toi, tu vas là. Là. Alors, oui, non, dernièrement, j'ai acheté de la raclette et du reblochon. Truc à tartiflette. Ils sont dans le frigo. Je vais pas les présenter là, je les ai pas achetés là. Donc voilà. Ensuite, oui, tu dis Leclerc, dit EcoPlus. C'est de la rosette, c'est pareil. J'ai regardé les consistances, c'est dans un autre truc, j'ai rigolé d'ailleurs. Donc deux paquets de rosettes, je viens de le dire. Ça, c'est pour ce soir, parce qu'on va se faire une petite séance, je regarde un petit peu. Oui, c'est bon, le film il va pas commencer, il y a un film de Noël. Et j'en profite pour vous dire sur la chaîne 31, je l'ai dit en story. Sur la chaîne 31, en fait, c'est la chaîne du Père Noël. C'est trop mignon. Franchement, j'ai regardé avec les petites, elles adorent. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. C'est gratuit, c'est offert par je sais plus qui. Bref, mais c'est gratuit. Donc ce soir, c'est soirée entre filles, donc pizza. Voilà. Ensuite, j'ai repris deux crèmes fraîches parce que je vais faire une blanquette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du poulet, champignons, carottes, enfin, la base. Et puis bien sûr, des gratins. Des gratins, des gratins. J'ai pris. Alors normalement il y en a deux. Si ouais, t'es là. Ouais, il était dans les yeux, mais c'est pas grave. Le fromage blanc, du chéri, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. Hop, je vais vite parce que bon, c'est des choses que vous avez déjà vues. Yaourt sucré. Et yaourt brassé aux fruits. T'as vu la vitesse? Je reviens, je vais tout défoncer, moi je vous le dis. Eh, j'ai une ring light. Hein. J'ai une ring light, je suis dans le turfu. Est-ce que je vous ai dit que j'avais acheté du jambon? Non, je crois pas. Donc deux énormes paquets de jambon parce que je vais faire des croque-monsieur et je vais les congeler. Mais pas n'importe quel croque-monsieur. Attendez. T'es où? T'es où? Je vais faire ça dans des mini pains à toast. Je suis une gosse. Voilà, des mini pains à toast. Faut chercher, donc toi, attends, je t'ai présenté, donc toi, tu rentres chez toi. Là, c'est bien. Ça, c'est fait. Ensuite, alors ça, je voulais tester, parce que du coup, j'ai regardé les charales que j'ai achetées la dernière fois. Je parle de boulettes, voilà. J'ai acheté des charales la dernière fois, et je vois la composition, et là, je me dis, attends. Il y a 45, 47% de viande de bœuf dedans. Je mens pas, hein, c'est marqué dessus, hein. C'est comme le porte-salut, voilà, c'est marqué là, même si c'est flou. 47% de bœuf. Et des protéines végétales. Non, non, non. Dans les charales, il y a 48% de bœuf. Et il y a autant de protéines végétales. Non, 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 non. Je vais goûter. On verra. Je me suis dit, toi, tu fais peur. Puis en fait, non, c'est pareil que des charales. Et on est d'accord que les charales, tu les payes. Voilà. Ensuite, des steaks hachés, congelés, comme d'hab. Les 10. Ensuite, j'ai fait la blinde de viande parce que. Ça manquait, je vous dis, là, on crevait la dalle. Non, je rigole. On était en pénurie, on bouffait des biscottes. Non, 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 j'avais pas envie d'aller au cours, j'avoue, mais bon. J'ai pris quoi? De la farce à légumes. Pour farcir des légumes. Voilà. C'est comme la farce à saucisse, mais du coup, je vais faire ça avec des courgettes. Comme le monsieur l'a fait. Ou la madame. Ensuite, j'ai pris. Attendez, parce qu'en fait, j'ai une messe qui me rentre dans l'œil, là. Je regarde en même temps. En plus, elle coûtait pas trop cher, donc c'était cool la ring light. J'ai pris quoi? Des hauts de cuisse que je vais faire avec du pesto, parce que la dernière fois j'ai fait des hauts de cuisse au pesto en meal prep. Ça fait trop bon! C'est trop bon! Vous pouvez retrouver sur ma chaîne, dans tous les cas, c'est la seule meal prep que j'ai fait. Oh, j'en ai fait deux. Ouais, vous allez retrouver. Trop bon! Hauts de cuisse au pesto. Ensuite, comme d'hab, le blanc de poulet. Enfin, c'est pas du blanc de poulet, c'est des filets de poulet blanc. Oui, parce qu'il y avait du jaune, mais oh, le bruit que ça fait quand ça tombe.
Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris un mélange de échine, côte épaule, sans os et en caissette. En fait, c'est pour faire du sauté de porc. J'ai pris une grosse quantité, mine de rien. Donc, je vais faire Monsieur Cookéo. Hein, c'est notre pote. Donc, sauté de porc, moi, ce que je fais, c'est crème fraîche, champignons, carottes. J'ai peut-être rajouté des poireaux. Je sais, je blinde la. Je casse la recette complète, mais vous savez que j'adore rajouter plein de trucs. Donc des poireaux, crème fraîche. Puis je pourrais les congeler si j'en fais trop. Oui, tout va bien. Ensuite, c'est des nuggets. Je suis très loin. Mais c'est parce que. Ouh! Des nuggets aux pépites de fromage fondu. Pardon? On va être potes. J'avais pas vu, je crois que c'était des nuggets normaux. En fait, non. Ça va être encore meilleur. Ça et ça, j'ai voulu tester parce que du coup, en fait, j'avais envie de poisson. Bref. Et en fait, non, j'allais sortir. Non, je vais pas le sortir. Vous voyez un petit peu là. Là, il est plié en deux. C'est un. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Un filet de saumon. Vous savez, normalement, je prends des petits pavés tout coupés et elle m'a dit que c'est moins cher quand vous prenez en filet. Parce que du coup, en fait, il y a la découpe en moins. Il faut juste un couteau qui coupe, quoi. Et j'en ai pour... Combien? Plus d'un kilo 50 pour même pas 14... Enfin, pour 14,58 €. Mais le prix... Enfin, le poids, il est beau, en plus. Il est beau, en fait, j'ai vu ça. Je vais jamais en... Pas directement en poissonnerie ou autre. Et c'était la poissonnerie de Leclerc. Franchement, je suis pas déçue. Tu sens la mer. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a été avec mon frangin et mes parents à la mer avec mes neveux et tout, c'était trop bien. Enfin, à la mer, on a été chercher des coques et c'était trop bien. C'était trop bien. Du coup, j'ai pu goûter les huîtres, mais directement sorties du coquillage. Elle est con, la fille. Les huîtres directement sorties du caillou, quoi. Enfin, bref, mon frangin m'a fait mes petites huîtres avec du citron. J'ai fini à dégueuler toute la journée. Salut, c'est moi. J'adore les fruits de mer, mais je les supporte pas. Mais j'insiste, hein. J'insiste, hein. Mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Chaque nouvel an, on se dit, allez, on va faire un plateau de fruits de mer. Et ben, je passe les 12 coups de minuit, ou alors le 1er janvier. Vous pouvez demander à ma mère. N'allez pas demander à ma mère, mais vous pouvez demander à ma mère à t'écoeler. Hein? T'écoeler. Mais j'adore ça, c'est trop bon. Mais à chaque fois, je suis assez con pour ne pas arrêter d'en bouffer. Puis après, ben, du coup, non. Voilà, raconte ta vie. Tu peux même pas être gourmand, j'ai envie de te dire. Moi, bon, j'aurais pu faire des allergies au lactose et ça. Non, je peux pas. Parce que j'aime trop de fromage. Non. Si je suis pas allergique, c'est juste que mon corps il dit non, c'est bon, hein, mais non, on va le refaire repasser. Merci. Voilà. Ensuite. Des spaghettis, voilà, 2 paquets de 500 grammes, des coquillettes. J'ai goûté les torsadés, là, les tortellini, là. Vous savez, les trucs en serpentini, normalement, de Lustu Cru, que j'adore, que j'arrêtais pas de prendre. J'en ai pris en 3 minutes de Leclerc. Dégueulasse. Ah non, plus jamais, ah non, ça j'en achète plus parce que c'est pas possible, c'est dégueulasse. Enfin, c'est, je veux bien, hein, tu mets 3 minutes, mais même là, au niveau du, excusez-moi, tac, même au niveau de la cuisson et tout, même si tu fais ça bien, c'est de la farine le truc. C'est fait, ok, mais non, c'est un bout de farine, c'est pas bon. Bref, on finit le frais par du fromage à râper. Pas du tout du gruyère. Voilà, alors, ça, c'est bon, le frais, c'est fait. Là, je ne vais pas vous parler, vous allez regarder de vous-même, parce que moi j'ai des oreilles juste derrière, là, qui n'attendent que ça. Le soir, devant Netflix, on n'avait pas de chocolat. Ouh. Ouh là là, oh, c'est tellement bon ce truc. C'est les chocolats. Ils sont lourds en plus. Mais en fait, je vais les mettre sous le sapin, comme si le lutin, il nous avait amené des trucs. Faut pas dire.
pendant les vacances scolaires, enfin là, dans pas longtemps, je vais faire une chasse au trésor. Je suis trop fière de moi-même en fait. C'est nul, mais c'est pas grave. T'as pas vu? J'ai rien dit. Je parlais de fromage. On a un de mort. Pardon. Alors, ensuite, on continue parce que je suis déjà à 15 minutes. Désolée. Mais vous aimez bien. Donc, on continue. Deux boîtes d'haricots verts. Là, ça va aller vite. Deux boîtes de pesto pour aller avec les hauts de cuisse. Mais autrement, je vais aussi en mettre avec ma copine. La viande hachée, des tomates et des courgettes. Du riz Écoplus, mais du riz basmati, pas du tout, c'est du riz Écoplus, oui, on s'en fout, c'est du riz basmati, il est très bon, j'ai déjà goûté. Oh, c'est pas possible, ces cheveux, vous allez être coupés. Ça va être ça, ma longueur, je vous le dis, je l'ai déjà fait. Je ferai un sondage sur Instagram, si vous voulez, vous me direz votre avis, parce que j'ai déjà coupé ici. Je pourrais peut-être vous le partager, d'ailleurs. Allez, de la sauce provençale, au redépasse. J'ai rangé à l'arrache des façades. Ok, donc maintenant, ensuite, non, du pain. Donc, les petites baguettes comme ça, on aime bien, on les repasse au four et elles sont nickel. Ensuite, deux paquets de tartines, enfin de tranches de pain complet, comme d'habitude, comme je vous dis, hein. Et on enchaîne avec les biscuits. Vous êtes prêts? Ça va aller vite. Donc voilà, en fait, et en fait, je rigole. Vexez pas. Des galettes bretonnes avec du chocolat parce que j'adore ça et je trouve ça bien bon. Sauf que les petites, elles, on s'en mange pas. Sauf quand il y a des pépites. Et sauf quand maman, elle fait fondre du chocolat dedans avec un chamallow au milieu. Quoi? Ça va? Ça va? Attendez, parce que j'ai le pain qui m'embête. T'es en train de tomber sur ma cuisse. Vous verrez dans le retour de. Dans le. Vous verrez dans le home tour l'envers du décor quand je filme. Vous comprendrez. Des tartelettes au chocolat. Des petits. Des faux napolitains qui sont tout aussi bons. Et j'en ai pris deux paquets, mais bon, le goûter est passé par là. J'ai repris. Enfin, non, j'ai pris. J'espère que c'est bon. C'est pour ma mini, donc bon. Des. Gaufrette à la fraise. Un deuxième paquet. Allez, soyons fous. Deuxième paquet de ça, là. De tartelettes. Oui, ben ça, c'était mon goûter parce que c'est beaucoup trop bon. J'aimerais trop savoir en faire des moi-même, des maisons, quoi. Des petits palmiers, mais recouverts de chocolat. Je trouve les palmiers tout seuls, ils sont un peu très sucrés. Ensuite, toujours les mêmes. Les petits pains au lait. Le paquet, j'ai pris du coup les hamburgers pour les pour faire des hamburgers. Ça, ma bébé, elle m'a dit: Maman, tu fais des hamburgers? Enfin, pas... ça donnait pas: Maman, tu me fais des hamburgers. Ça... Je viens de me couper, merci. Ça donnait: Hey, bon, les burgers, super, merci. Du coup, la grande a dit: Je suis en train de passer, je suis à la caisse, quoi. Bip. Des pains au chocolat, ça dépasse. Attendez, parce que j'embarque le fil de la ring light. Deux paquets de chips. Du café, parce que là j'en avais plus depuis 2 jours. J'étais en train de décéder toute seule, là. Du truc à tartiner, puisque je vais faire une blinde de crêpes et en fait je vais les fourrer directement et je vais les congeler. Ça, on aura des crêpes tout le temps. Du miel, comme d'habitude. Et. Bien entendu, qui dit soirée cinéma dit pop-corn sucré et des chamallows. Vous voyez, parce que ça. Sinon. Je peux pas fourrer mes petites galettes au petit de chocolat si je n'ai pas de chamallows. Donc, ensuite, on continue. Est-ce que vous avez vu ça un petit peu? Eh, incroyable, on ne l'arrête plus. J'ai un peu la bouche. J'ai pris. Bah, il y en a encore dedans, mais plein de bananes. Parce que je vais refaire des petits gâteaux, mon chéri.
Haricots verts de crotte là. Aïe. Vous savez, c'est quand ça fait mal là. Je vais refaire les petits gâteaux protéinés. Vous savez, ça fait longtemps. Bref. Ça, j'ai trop kiffé parce que je sais que je vous en ai déjà parlé. Des champignons de Paris. Faut que je vous montre les trucs avant de vous en parler parce qu'autrement, c'est pas possible. Champignons de Paris, 1,79. Mais ça reste des champignons, enfin, ils n'ont pas été maltraités, est-ce que c'est sage? Non, parce que le paquet juste à côté, c'était moins pour 3,80 €. Il y a quoi de différence en fait? C'est une champignon. Bref, tu le laves, t'enlèves la peau. Alors, si c'est pour le cuire, tu le cuis en fait. Et tu fais ce que tu veux. Mais sinon, tu le laves, tu peux enlever la peau ou tu peux la laisser. Tu le remplis de fromage à tartiner. Ou je sais pas quoi. Si le fromage frais là. Oh, c'est bon! Oh là là! Merci belle-sœur! Elle regardera jamais mes vidéos, mais c'est pas grave, je le dis. Ensuite, la blinde de clémentine, parce que bah, clairement, hein, voilà, en automne, enfin en hiver, là, c'est bon. On n'est pas en hiver, mais clairement, quand je vois ce temps pourri, moi j'ai besoin de ma dose de 14 clémentines par jour. J'ai encore tellement de choses derrière. Carottes que je vais couper, cuisiner, congeler, tout ça. Deux paquets de mâches. Deux paquets de pommes rouges. Je sais plus c'est quoi, c'est des. Qu'est-ce que c'est? Je m'en fous, c'est pas rouge. Si ça tombe, ça fait mal. Un paquet de mouchoirs. Merci, ça fait plaisir. Arrête, dégage du champ. Hop là, deux paquets énormes de lait comme ça. Voilà, j'ai pris deux bouteilles de coca. Deux bouteilles de, comme on dit, du Kipik. C'est de la limonade. Ça, deux petites bouteilles comme ça. Bouteille d'eau. Ça, j'en ai pris quatre bouteilles. Ça a l'air d'être trop bon. Il y avait une promo. Moins 60 sur le deuxième, donc je me suis dit, tiens, ça équivaut. Et en fait, ça a l'air d'être trop bon. Voilà tous les fruits qu'il y a dedans. Et j'ai pas vérifié s'il y avait de la pulpe. Mais ça a l'air d'être bon. J'aime bien la couleur. Là. Ça fait longtemps. Est-ce que je vous ai bien dit que j'ai pris du PQ? Allez, va trouver ta liberté. Et j'ai fini? J'ai fini. J'ai oublié les œufs en bas. Donc, beaucoup, beaucoup d'œufs. Ce que je vais cuisiner, donc, bah, beaucoup d'œufs. Beaucoup, beaucoup d'œufs et de la nourriture pour chien. Voilà. C'est bon. Donc, du coup, merci. Merci d'avoir regardé, d'être toujours présent, continuez à vous abonner, même si je disparais comme ci, comme ça. Mais bon, il y a des fois dans une vie, tu te poses et tu te dis, oh, non. Puis après, tu te dis, eh ben si. Ben voilà, on est dans le eh mais si. Me voilà. C'est juste que ben, le temps que je me pose dans la maison, que je fasse ben, les papiers pour les petits, les papiers pour tout, qu'on se remette dans le rythme, tout ça. Avec le chéri, on est pas mal en travaux. Là, c'est bon, on a bien, bien avancé. On s'arrête pour les fêtes. D'où le fait que j'ai pu filmer un petit peu le home tour. Après, comme je le dis dans le home tour, je peux pas filmer le home tour comme je voudrais le faire. Donc, je vous prends avec moi, avec les défauts actuels de la maison et ses merveilleuses qualités. Parce que voilà, on en est vraiment très, 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 très heureux de cette maison. C'est incroyable. On découvre des choses encore tous les jours, mais c'est vraiment rigolo. Mais voilà, donc voilà, dans le home tour, je vous ai pris directement dans le vif. Voilà, je vous ai pris avec moi, je vous ai montré. Et est-ce que du coup, je vais aller filmer, mais elle n'est pas encore montée. Donc je pense que je vais vous montrer quelques petits. Je vais filmer quelques petites images, mais du coup, de la maison décorée. Parce que du coup, elle n'est pas décorée dans home tour. Donc là, je vais en filmer quelques-unes de la maison décorée. Comme ça, vous pouvez voir mon sapin. Oui, j'ai pas filmé, moi, en train de décorer, je suis désolée, mais bon. Là, puis en plus, c'est même pas moi qui ai décoré le sapin, c'est mes filles. Donc voilà, elles ont un peu tout fait, à part là, parce qu'elles passaient pas. Du coup, c'est haut. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Pardon, excusez-moi.
Pour ce qui est du coup de Facebook ainsi qu'Instagram, c'est toujours PandaFrite. Je ne change pas. Pour ce qui est du blog, je vais essayer de bidouiller tout ça et normalement ça devrait être pandafrite.fr comme l'autre parce que voilà, j'ai mon autre domaine, mon nom de domaine donc c'est à moi. Et du coup, vous pourrez me retrouver directement là-bas pour les articles, pour les recettes, pour vous allez voir des petits trucs assez sympas, des menus et tout ça. Et puis ben, j'espère qu'on se retrouvera là-bas ou alors sur Facebook ou alors sur Instagram. Et puis ben, ici, dans tous les cas. Donc, bah sur ce, encore une fois, merci d'avoir regardé. Et puis, bah, on se retrouve dans très peu de temps, j'ai envie de vous dire. Allez, salut!